Salut tout le monde, c'est GOT, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc vidéo de la queue chevalier 100%. Alors je vous fais une petite vidéo rapide sur les combats de boss de cette queue chevalier, parce que je n'ai pas pu faire de live hier sur cette queue. Petit souci avec mon Streamlabs OBS, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à lancer le live, il va falloir que je règle le problème, je ne sais pas comment faire pour l'instant. J'ai deux trois soucis. Ça me dit que la qualité est médiocre, mais ma qualité de connexion, je veux dire, mais ma connexion est tout à fait correcte puisque je peux tout faire sur Internet. Je peux télécharger très rapidement, je peux tout faire, mais je sais pas. Il y a un problème avec YouTube et Streamlabs. Je sais pas d'où vient le problème. S'il y a un paramètre qui a bougé. Alors je sais qu'il y a eu une mise à jour d'OBS hier. Donc est-ce que c'est pour ça? Enfin, en tout cas hier. Pour moi, elle était hier. Est-ce que le problème vient de là, qu'il y a un paramètre qui a bougé et je ne sais pas lequel? Ça ne m'étonnerait pas, mais tant que je n'ai pas trouvé, je peux rien faire, quoi. Je vais essayer de chercher. Voilà, donc petite vidéo rapide. Alors c'était une queue plutôt simple, pas de problème particulier. Alors le premier boss, c'était un Diablo Diablo, donc aucun souci. Ensuite, vous aviez un Omega Red, si je ne m'abuse. Donc vous prenez n'importe quel robot, c'est bien contre Omega Red. Moi, je vais prendre Nimrod pour le défoncer globalement. Vous avez du Venom the Duck, faire attention à la défaillance. Vous avez sinon un Jofixit. Jofixit, j'ai pris Apocalypse parce que je crois qu'il met des désorientés. Je ne sais plus. Donc, Apocalypse, immu désorienté. Enfin, il devient immu désorienté. Ça vous évite de prendre des coups de ouf dans la garde. Toujours bien. Et ensuite, vous aviez Scorpion. Donc Scorpion, j'ai pris un perso virtuose, un perso à coup direct pour gérer ses évasions. Alors faites attention quand même, si vous avez un perso à coup direct qui n'est pas un virtuose, il va gagner beaucoup de pouvoir. Donc ça peut être chiant. Mais avec un virtuose, la borne ne s'active pas. Donc Mollman, c'est très bien, hein. Et enfin, Black Cat, qui est pas du tout un perso défensif, je pense. Je pense que Scorpion peut être plus chiant en défense si vous ne faites pas gaffe. Par contre, Black Cat, franchement, j'ai pris un immu saignement, c'était à peau, mais j'aurais pu prendre autre chose. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. En plus, ses spés sont pas durs non plus à esquiver. Enfin, ceux de Scorpion sont pas spécialement difficiles. Le premier, il a un peu de portée quand même, parce qu'il tourne et tout sur lui-même, il vous amène assez loin, donc il faut faire gaffe. Mais sinon, voilà. Sinon, après, sur les lignes, pas de difficulté particulière. Les cosmiques, vous mettez des brises armures, vous allez taper comme un porc. Les mystiques, à chaque fois que vous purgez, vous gagnez une prouesse, ce qui augmente la puissance de vos spés de manière considérable. Les mutants, je ne sais plus ce que ça fait. Les sciences, vous prenez des poisons, à chaque fois que vous les purifiez en faisant une dext ou en faisant une parade, je crois, vous gagnez des furies. Pareil. Dès que vous mettez des saignements avec les virtuoses, vous gagnez des furies et vous tapez comme un ouf. Genre Nick Fury, en première vie, il tape aussi fort qu'en deuxième vie, en mode normal, quoi. Et enfin, vous avez les techs, vous gagnez de la puissance, je crois, à chaque fois que vous mettez un drain de pouvoir. Donc, je peux vous conseiller Octopus. Ouais, Octopus, c'est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Warlock aussi, ça doit sûrement être bien. Enfin, voilà. Vautour, ça va être bien. Voilà. Je vous laisse sur ces petites vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris pour faire les boss. Si jamais vous avez une difficulté particulière, n'hésitez pas à le dire. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être un opening. Bye!
We'll be right back.